Et rebonjour à vous. J'ai l'impression que l'angle de la caméra est plus grand sur 15 Sims que sur 15 tout court. Voilà, c'est mieux comme ça quand même. Et merci Lilo, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. Et du coup, bientôt on va changer le décor, bientôt ce sera la déco de Noël, enfin, dans pas longtemps, parce qu'on est quoi? On est le 29 aujourd'hui. Et merci Valentine, bienvenue à toi, merci beaucoup. Et ben re à vous, bonsoir, comment ça va pour les personnes qui viennent sur cette chaîne et qui n'étaient pas tout à l'heure sur l'autre live? Bonjour à vous, je pense que vous allez bien. Et bah écoutez, nous voilà déjà avec Ariana. Et merci à Ferida, bienvenue, merci beaucoup pour vos abonnements, c'est super gentil, bonjour à vous. Re, ça va depuis Bakou, ça va très bien. Bah, dès que je suis avec Ariana, ça va déjà beaucoup mieux, hein. J'adore cette série, je l'adore d'amour. Et SMS entrant, quoi, j'ai entendu dire. Ah, par contre, c'est difficile avec le bleu blanc écrit sur le rose. J'ai entendu dire que c'était soirée extraterrestre au bar ce soir, ça vous tente? Alors attendez. Attendez, est-ce que ça me tente? Est-ce que ça me tente pas? Le contrat, il commence à 9h jeudi. On peut y aller, on peut y aller, on peut. À quoi que, on y... Non, elle est fatiguée, on va pas y aller. Et merci Angenox, bienvenue, coucou. Moi aussi, je l'adore. Ah bah nickel, ça je... Parce que je suis contente, si ça vous plaît aussi, et que ça me plaît, et que ça plaît à tout le monde, c'est cool. Est-ce qu'il est bien là, Limonade, ou pas? Parce que je ne vois pas Limonade, mais il devrait être là, normalement. Il devrait être là. Mais il n'est pas encore là. Ah. Maintenant, il devrait être là. C'est juste que j'ai pas appuyé sur OK. Et merci Maëline, bienvenue à toi, merci beaucoup. Ouais, c'est bon. C'est bon. Limonade est là, ça fait plaisir. Ok, on va l'envoyer. Du coup, tant pis pour la soirée bar. Elle va aller se coucher. Mais franchement, regardez, 2500 Simflouz, on est bien, on est bien. Et merci Sarah, bienvenue. Passez une journée de merde aujourd'hui au calèche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui passe? Coucou à Climaticax, comment vas-tu? Petit pouce bleu, merci Louloute et merci à toutes les personnes qui mettent un like. Merci beaucoup, c'est super gentil. Et bienvenue à toi Flora, merci beaucoup. petite LPS si tu veux. Coucou Phoenixa, coucou bonjour tout le monde. Voilà, petit dodo. Donc Ariana, on a journée libre. On a journée libre. Donc je vous laisse proposer ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et merci Lina, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Coucou des singes, comment ça va? Coucou Françoise, coucou Jose Didi. Rappel de l'agence. Il est difficile de travailler avec des co-vedettes qui ne vous apprécient pas. Pour remédier à cela, prenez un bain. Je m'attendais à autre chose. Je pensais inviter-les, essayer de devenir amie avec. Mais non, prenez un bain, ils ont dit. Mais j'ai pas de bain, j'ai une douche. Par contre, c'est vrai qu'on peut inviter les réalisateurs. Ah, on peut essayer de faire les faillots et inviter les réalisateurs et les co-vedettes pour devenir amies avec. Par contre, ah oui, on doit explorer l'émotion joueuse et la compétence guitare. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à faire de la guitare. On va peut-être aller dans le bar, là où il y a la guitare. Et pour joueuse, on va regarder la chaîne, je ne sais pas quoi. Et merci Shadow, bienvenue à toi. On dirait que cette agence, ça part en cacahuète. Oui, clairement là, clairement. Alors peut-être pour devenir enfin, joueuse, il faut regarder la chaîne Humour, je crois. Et merci Lame, bienvenue à toi. Je rêve, elle m'apparaît. Bah oui, j'essaie de vous répondre. J'ai froid. Bah achète un pull Tinsel si tu as froid. La fille H24 en train de promouvoir son pull, mais je le trouve tellement beau aussi. Non, en vrai, le pull là, il tient chaud. Ça, c'est véridique. Si vous gagnez par l'émotion joueuse, effectuez des interactions drôles. Ah, bah tiens, on va aller au bar. À cette heure-ci. Est-ce qu'on irait à... Ouais, d'abord, on va manger. On va prendre une douche. On n'a pas de bain, mais on va prendre une douche. Et ensuite, bon, on va mettre chanter sous la douche plutôt. Tant qu'à faire. Faut prendre un bain. Ouf, mais j'en ai pas de bain. Faut que j'achète. Ouais, faudrait que j'achète. Peut-être qu'on refera d'abord. Non, le mieux, je pense, c'est d'abord la chambre. On va peut-être en priorité. Et merci, Man. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Coucou, Adeline. C'est la chaîne Humour pour l'émotion joueuse. Ouais, ce qui me semble bien. C'est ce qui me semblait bien. Et merci, Dessinchou. Bienvenue à toi. Quand ça fait de la pub, foutre ban. Remélissa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, bah, je vais vous laisser décider. Dites-moi, laquelle des pièces vous voulez qu'on refasse en premier? La chambre, la salle de bain, le salon ou la cuisine? Laquelle des quatre pièces vous voulez en priorité, qu'on fasse bien, quoi? Qu'on fasse bien les choses, qu'on redécore bien, voilà, qu'on la mette bien, tout simplement. La chambre, pour chicominer, des sandwichs à la cantine, car c'est dégueulasse, du coup, on mange rien. Ah! Oh.
Mais faut en parler aux parents, c'est aux parents de venir et de gueuler là sur la cantine. Coucou climat! Hey, la chambre, la chambre, la chambre, la chambre, la chambre. Bon bah vous êtes tous pour la chambre, hein. La cuisine, la chambre, la chambre, la chambre, la chambre, le salon, la chambre, la chambre. Ok, ce sera pour la chambre. Moi d'un côté ça m'arrange, c'est ce que je voulais faire en premier. Donc moi ça m'arrange. Merci beaucoup, merci de voter pour la chambre. Merci beaucoup, j'adore moi la chambre. Elle a besoin de social, bah c'est parfait. Elle est inspirée, c'est parfait. On va aller au bar pour tout ça. En plus, on gagnera un petit peu d'argent pour améliorer la chambre. J'ai toujours au même bar. En plus, je sais qu'il y a une guitare, donc on va aller dessus. Et on va ramener un max de personnes comme d'hab. Vous me connaissez, hein. Plus de gens égale plus de pourboire. Voilà, clairement. Hein, on va pas se mentir, on va être franc jeu. Tu as fait quoi aux covedettes? Bah pour l'instant j'ai rien fait parce que je les ai pas invités. Je les inviterai, on les invitera en fin de journée si on a le temps. Parce que là faut d'abord que je fasse mes interactions pour aller au travail et pour gagner beaucoup d'argent. Hein. Coucou girly, bonne nuit cerise. Ils me font chier à longueur de la journée. Soul, ouais, je t'inquiète, je me fais passer, mais ils sont. Ah, il y a des jours comme ça. Hein. Il y a des jours comme ça. Ariana va devenir Michto. Mais c'est déjà une Michto Juju. Tu te rappelles du moment où on a fait. Attends, si j'arrive à le refaire. Si j'arrive à le refaire. Est-ce qu'on peut faire ça avec n'importe qui? Vous savez, le truc scène d'amour contre des pourboires? Voilà. Jouer une scène d'amour pour obtenir des pourboires. Regardez, on est à 2554 Simplouz. On va faire le calcul. Voilà, elle nous fait une scène d'amour. Mais je le fais avec quelqu'un avec qui. Ça marche, ça marche. Regardez. Il y a tout le monde qui nous regarde. Regardez, je me sens observée quand même. Oh merde, ça a pas marché, je crois. Ouais, 7 Simflouz. 7. Ouais, 50 Simflouz. C'est pas mal. Je sais pas si ça faisait partie de la scène de se faire refouler, hein, le petit râteau. Je ne sais pas, mais... Attends, vite, il faut que j'aille m'entraîner. Chanter des chansons, voilà. Et merci Freeze Flowers, bienvenue à toi, coucou Elsa. Bon courage pour le calcul MDR, ça a abusé le nombre de pourboires. Ben, en gros, on a environ 55 Simflouz avec la scène, qui est pas mal quand même. Ariana, elle a pué dans son casting MDR. Comment il t'attège? Mais je sais pas si ça faisait partie de la scène ou pas, tu vois. On va faire genre ça faisait partie de la scène. C'est moins humiliant. C'est moins humiliant si on pense que ça fait partie de la scène. Et donnez-moi de l'argent, de l'argent. Voilà, c'est Simflouz. Et est-ce que ça nous augmente au niveau du travail? Voilà, 25%, on va arriver à 100% et ensuite on fera l'émotion joueuse. Donc il va falloir qu'on soit drôle avec tout le monde. Ça va être compliqué parce qu'on a beaucoup, on est beaucoup inspiré là quand même. Ah mais t'es à 50%, t'as pas fini. Allez, rentraîne-toi. Au moins finis ta guitare. Au moins. Voilà. C'est même pas pour gagner de l'argent. C'est même pas pour gagner de l'argent. En fait, si, c'est pour gagner de l'argent. Plus d'argent! Plus d'argent! C'est la vendue, la grosse vendue. Je suis vraiment une vendue, les gars. On me dirait un SDF monnaie monnaie, s'il vous plaît, donne-moi de l'argent, argent. Non, ce n'est pas une histoire d'argent, mais donnez-moi de l'argent. De l'argent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour ma chambre, pour que j'ai une jolie chambre. Bon, j'arrête mes conneries. Et on va développer, on va essayer de devenir joueuse. On va essayer de devenir drôle avec tout le monde. Présentation chaleureuse. Ouais, bon, elle n'est pas fan de moi, en tout cas. On va essayer d'être drôle avec Black Tok Tok qui est là. Discuter. Ouais, non, ça c'était pas drôle, hein. Discuter des techniques de danse. Raconter une blague sur les pingouins. Pourquoi ils partent tous? Ils suivent la célébrité, je crois. Attendez, pause, pause, pause. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une secte. Ce n'est pas possible. C'est lui? C'est qui la star? C'est lui? Célébrité de série B. D'accord, ils sont en train de tous le suivre. Et là, c'est qui là? Ah, c'est la paparazzi. Mais on dirait ma coiffeuse. On dirait pas la madame qui nous coiffe H24 à notre travail? Tant pis. Ariana est à combien d'étoiles? 2 étoiles pour le moment. Elle a 2 étoiles. Elle est une star montante. C'est une star montante. Allez là, deviens joueuse. Elle est joueuse, elle est joueuse. Elle est joueuse, c'est bon, c'est parfait. Ah, regardez, il y a une fan à moi.
C'est ma fan. J'ai vu ma tête sur sa tête. Elle est fan. Non, te parle pas, j'ai pas fini. Attends, vu qu'elle est fan de moi. Ah, présentation dragueuse. Mais ça, c'est parce qu'elle est fan de moi, du coup, on peut profiter. Hashtag balance ton youtubeur, hein. On peut profiter de notre notoriété pour draguer. Tiens, on va signer un autographe. Parce qu'on est sympathique, tu vois. C'est même moi qui lui propose. Mais c'est pas notre voisine, elle. Si, je crois qu'en plus, c'est une voisine. Non, c'est pas une voisine, c'est celle qui habite dans les. On va la suivre jusqu'aux toilettes. Non, tu vas pas la suivre jusqu'aux toilettes, quand même, si. Non, c'est pas les toilettes ici. Mais c'est quoi là? C'est un endroit super hype. Drôle. Ah oui, il y avait la présentation amusante. On va mettre drôle, faire les yeux ronds. Ah, le ciel est fan! On a des fans maintenant! Tu préfères Nicki Minaj? Mais en plus, on en avait parlé. Ça aurait pu être. Ça aurait pu être Nicki Minaj. Mais vous aviez voté pour plus. Il y avait plus de gens pour Ariana. C'est bon, on a fini. On a fini. Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport du fait qu'elle est fan de nous ou pas? J'ai pas l'impression. Bah tiens, on va signer des autos. Voilà, des petits autographes. Hein. La drague, j'adore les histoires d'amour. Oh, GG Tania. Je crois que tu pourrais faire comme célébrité Kenzel. On continue comme ça. Merci. L'Ariana est une profiteuse. On a des fans maintenant. On a toujours eu. On est les best. Et Sabrina Carpenter aussi, c'est une bombe. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Oh, what? Est-ce que ça va, madame? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On est bien au niveau des besoins. On va rentrer. On va peut-être un petit peu amadouer notre. Comment dire? En fait, on a gagné presque 200 simples en venant au bar. Avec les pourboires, la scène d'amour, tout ça, tout ça. Elles dorment. En fait, ils s'évanouissent. En fait, t'as des fans. En fait, devant toi, ils vont s'évanouir. Dans les Sims Heure de Gloire. Ok, on va inviter les gens. On va peut-être manger un petit truc avant d'inviter. On va prendre quelques petits restes. Et puis ensuite, on invite pour... On m'a dit que Zepoto était une pile de traçage. C'est vrai? Aucune idée, Worms. Coucou, Luna. Une femme qui dort par terre m'a explosé de rire. Ah bah oui, s'évanouit ça. Allez, on mange et puis on invite. On va faire du léchage de fesses. Hop, ici, on invite. Voilà, on les appelle, on les invite. Et normalement, ils vont arriver maintenant. Ok, donc lui, c'est qui? Le problème, c'est qu'il n'y a pas marqué. Présentation chaleureuse. Il n'y a pas marqué en fait si c'est la co-vedette, le réalisateur. Moi, je pense que la co-vedette, ça va être lui. Shingo. Parce que je crois que Shingo, on l'a déjà eu en co-vedette. Mais je ne suis pas sûre. Bah oui, parce qu'on lui a déjà parlé. Donc, on va parler avec eux. Elle, je la connais. Elle, ça doit être. Je pense que elle, c'est la réalisatrice. Lui, ça doit être le co-réalisateur. Et lui, ça doit être la co-vedette. Je pense. Donner des clés. Non. Pas abusé. Faire une imitation. On va être sympathique. On va être sympathique. Ils rentrent au KLM. Bah là, ça va, je les ai invités, donc ils peuvent rentrer. D'ailleurs, la petite assiette, on va l'enlever. Et bah, la première chose qu'on fera, bah, je pense que, vu que c'est à quelle heure? Ok, donc on commence le travail demain à 9h, et quand on rentrera du travail, on commencera à refaire la chambre pour qu'elle soit belle. On va commencer par le lit parce que le lit est vraiment pas beau. Eh ouais, je sais, deux autographes de la même personne. Oui. Oui, madame. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on en a d'autres dans l'inventaire? Non, on n'a que des pièces d'amélioration. D'accord. Ah, on a un petit peu avancé dans la quête de la troisième étoile de notoriété. D'ailleurs, il faut que je fasse attention à ça demain après le boulot. Combien ça va augmenter? Enfin, de combien, de comment ça va augmenter? Merci Lina. Achète un bureau. Oui, on mettra ouais un bureau dans sa chambre avec l'ordinateur.
Ouais. Mais je pense que je ferai un live, je ne sais pas quand. Un live création. On lui créera des personnes assez célèbres avec qui elle pourra flirter ou faire des collabs, ce genre de choses. Son copain actuel, parce que je crois qu'elle a un copain actuellement, vous m'aviez dit déjà la dernière fois. Mon but est d'arriver à 10K et je suis très loin. Ah oui, il faut être très assidu pour que ça monte rapidement. Oui, mais Célia, il faut d'abord que je le retrouve. Bonsoir, Théo. ton Ariane a dérapé avec le vol de bouffe et d'argent. Ouais, c'est vrai qu'elle a un petit peu abusé. Ouais, elle a on va pas appeler ça du vol. Elle a bien aimé la nourriture. Du coup, elle s'est servie un petit peu plus que les autres. On va traduire ça comme ça. On va traduire ça comme ça. Elle s'est servie un petit peu de la nourriture. Mais c'est pas grave. Ok, est-ce qu'on peut aller aux toilettes quand même? Je trouve que là, on a bien avancé, partager des photos, raconter une histoire drôle, se plaindre du temps ensoleillé. Ah, on peut pas faire plus d'interactions? D'accord. D'accord. Non, madame, pourquoi t'as... Oh, réparer. Qu'on pourrait réparer. Je crois que les autos, on va les mettre dans le salon, parce que tout le monde rentre pour regarder les autos. On va plutôt les mettre là, peut-être. Genre... Comme ça, ici. Voilà. Je vais vraiment y aller. Ok, ils partent tous. On répare le lavabo parce qu'il est cassé. On va se coucher. Et on sera bien pour demain. Et ça, c'est cool. Nouveau job. Je crois que c'est un job qu'on n'a pas encore fait. Je vais regarder ce qu'on a comme job demain. Les créatures de la forêt. Donc, ce sera quelque chose dans la forêt. Je pense. Hein. Je pense. Alors, quand une série télévisée diffusée aux heures creuses... Ouais, ça, on avait déjà lu, ça n'a pas changé. On n'a pas passé encore niveau 5 pour le travail. C'est une pote à... Liz, Gillies. Ah, connais pas. C'est une pote à Ariana Grande, je crois. Mais sinon, c'est surtout Nicki, sa pote. Nicki Minaj? Bonsoir, Manzel. Comment vas-tu? Nicki Minaj, c'est sa pote? Qu'il est beau, il est beau, il est beau, le lavabo. Il est laid, il est laid, il est laid, le bidet. Sérieusement? Nicki Minaj, on parle bien de Nicki Minaj, sa pote. Coucou Shanna, coucou Mylène. Je voudrais recevoir tes lives, je pense. Alors retiens, dessin chou MSP, ok. Bah de toute façon, si tu viens souvent, je retiendrai, c'est sûr. Ah, tu vas être la marraine de mon enfant. Ouais, mais ton enfant me... Enfin, on va dire... Je pense que tu connais des gens IRL qui seraient de meilleures marraines, non? Qui dit beau le lavabo. Coucou à Lollipop. Ouais, Nicki Minaj. Ok, bah va falloir la créer du coup, de toute manière, Nicki Minaj. On la créera. On la mettra dans le quartier d'Ariana Grande. Mais pas pour le moment. On va dire qu'on peut déjà la créer pour plus tard. Là, il n'y a pas de souci. De toute façon, tout ce qui est création, on le fait en dehors du let's play pour que ce soit voilà, mieux. Mais du coup, Nicki Minaj, on la créera, mais ce sera quand elle déménagera. Enfin, elle la rencontrera quand elle aura déménagé dans les quartiers, hype. Tu vois, on mettra Nicki Minaj comme voisine. Puisque pour le moment, à ce stade de sa célébrité, on ne peut pas encore appeler ça être célèbre. Puisque en plus, voilà, l'état de sa maison, quoi. Fais voir ton pull. Voilà, mon Philippe pull. Le pull de la Kerzel. tu peux me faire un live sur Francisca? J'ai pas compris. C'est pas moi, Francisca, au cas où, hein. Coucou, ça va, Ariana est une star. Coucou, les pouties. Ça commence un petit peu, on va pas se mentir. Les gens commencent à s'évanouir devant Ariana, à lui demander des autographes. Donc, le début, on va dire ça que c'est un début de célébrité. Qu'est-ce que. 15 c'est pourquoi la chaîne a sa mère avec vieux. Coucou Pikachu, je viens d'arriver, il se passe quoi? Bah écoute, on va bientôt partir au travail avec Ariana. Commence dans 1 heure, voilà. On va travailler. Oh non, elle a cassé les toilettes. Mais elle casse tout, c'est pas possible. Elle casse tout, est-ce qu'on a le temps de réparer avant d'aller au boulot? Je sais pas. On va essayer de le réparer. Mais c'est pas possible, elle casse tout. Allez, essuie et ensuite le boulot, on va la rejoindre. Tu aurais une bonne marraine, non? Ben, vu que je la verrai jamais, on va dire, ça va être compliqué. Tu as les codes de triche? Oui, je connais les codes de triche, mais je les utilise pas dans le let's play d'Ariana. Parce que quand elle sera célèbre, on pourra dire qu'on l'a fait ensemble, qu'on l'a fait sans tricher. Donc, je ne triche pas sur ce let's play. Chaîne Smart avec Bin, what the fuck? Ouais, c'est t'as raté le live Pokémon hier. On en avait parlé, c'était trop drôle. Ok, on est arrivé sur place, se faire coiffer, maquiller, s'entraîner à jouer, poster une story sur Simstagram. Ok, donc poster une story sur Simstagram, s'entraîner à jouer.
se faire maquiller et coiffer, complimenter un sim sur le plateau. Comme d'habitude, je la complimente elle, hein. Comme ça fait genre, elle vient de me... Elle vient de me, entre guillemets, coiffer, tout ça, on va la complimenter. Amical. Attends, c'est quoi là? Jouer une scène? Non, on va pas commencer à jouer des scènes d'amour là-dedans. On va pas commencer. Ah, on est d'accord. Et merci Amélie, bienvenue à toi. C'était de la torture, pas drôle. Moi j'ai bien aimé, hein. Attends, il y avait un truc. Non, c'était pas là-dedans. Je me perds. Complimenter la tenue. Non, ça a pas marché. Bon, il n'y a pas le temps là, les gars. Il n'y a pas le temps. Tu me coiffes, s'il te plaît. Allez. S'il vous plaît, madame. Coiffez-moi. Je suis un petit peu en retard là. Comparé à d'habitude, je suis en retard. Ah, merci. Enfin, elle s'occupe de moi. Être drôle. Drôle. Présentation amusante. Est-ce que ça fonctionne? Bon, allez, tant pis, j'arrive pas. Il faut que je fasse une personne. Quand je fais des trucs de groupe comme ça marche pas tellement, j'ai l'impression. S'il vous plaît, monsieur. On a changé. C'est la première fois, je crois, qu'on a cette coupe-là au travail. Qui est pas mal aussi. Qui est pas mal. Allez, ma petite Ariana, les petites mensurations. Oh non, non, s'il vous plaît, non. Je comprends pourquoi on a cette coupe-là, en fait. Parce que ce mec... En fait, ça sert à quoi qu'elle m'ait coiffée de toute manière, en vrai. Complimenter quelqu'un sur le plateau. Alors, complimenter. Non. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'avoir... je pense que notre notoriété, elle va baisser là, c'est pas possible. Tu relouqueras les PNJ du jeu ou pas parce que là, ils sont juste horribles. Bah ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. J'avais pas prévu ça à la base, non. Mais ça peut être une idée. Ah. Vous voulez un marathon soon? Peut-être ce week-end. J'aime ce costume, je veux le même. Ouais, mais non. C'est Ariana, quoi. Tu veux pas mettre Ariana dans ce costume? Comment voulez-vous que la pub ou la série marche avec Ariana dans un... Costume, on sait pas que c'est Ariana, ça va pas marcher les gars. Ça ne marchera pas. Il faut qu'on soit drôle. Raconter une histoire drôle, on va y arriver. Et ensuite... Oh, c'est lui la co-vedette figurant. Non. Du coup, est-ce que je suis une vedette vraiment? Guest star, je suis une guest star. Sérieusement, suis-je vraiment une guest star? C'est pas possible d'être une guest star. Comment tu peux être une guest star et être habillée comme ça? On est d'accord, c'est pas logique. Non, 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 non. Je veux pas être une guest star, moi. Je veux pas. Je rentre chez moi, je démissionne. Bon. Jouer une scène où le personnage chante. Oh mon dieu, j'ai l'impression que notre carrière, elle est en train de s'écrouler, les gars. J'ai l'impression que notre carrière est en train de s'écrouler. C'est... Faut... Ok. C'est super enjaillant, n'est-ce pas? Je ne dirai rien. Là, elle va danser, ça promet. Oui, étire-toi. Non. Arrête. S'il te plaît, arrête ce carnage, Ariana. Arrête. Arrête. S'il te plaît, arrête. Oh my god, c'est moche. Ah merde. Ton pull est en vente. Oui, Luna, il est en vente. Tu as le lien de ma boutique dans la description. C'est mon... C'est le plus Carzel. Alors, il fera de l'ASMR sur sa chaîne, hein. Oh là là. Jouer de la guitare risquée. Je sais pas si j'ai envie de voir. Oh mon dieu. Stop Ariana, pourquoi tu nous fais tout ça? Bah oui. Ah voilà, Johanna qui vous met le lien de la boutique pour le pull et pour d'autres choses. Elle dansait et chantait bien, je trouve. En chant, ça va, elle s'est améliorée, ça c'est sûr. Comparée à ce qu'elle faisait à la base, elle s'est améliorée, on va pas se mentir. Par contre, la danse, c'est pas trop ça. Allez, la guitare maintenant.
La guitare, c'est bien. La guitare, ça va. Mais vraiment, c'est son meilleur rôle. Non, arrête de mentir, c'est pas vrai. C'était beaucoup mieux quand elle se battait dans le premier rôle qu'elle avait fait. Le premier rôle dans une série qu'elle a fait, donc c'était juste après les premières pubs, sur le bateau pirate. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Bon, le camping de l'amour, hein. Voilà. Elle a gagné beaucoup d'argent, mais c'était pas drôle. Est-ce qu'on vole de la bouffe? Vite, de la bouffe avant la fin. C'est quoi, des cookies? On pique les cookies! On a piqué les cookies! Yes! Regardez. Regardez, il y a quand même un sort de... Je sais pas, on dirait les personnes qui font du catch, là. Et ils ont un masque bizarre, comme ça. Ok, donc, nous avons gagné... Regardez, regardez bien. En bas à gauche, il y a eu 1650 simflouz, alors que là, il y a marqué qu'on a gagné 1250 simflouz. Vous voyez ce que je veux dire? On a gagné 400 simflouz supplémentaires, et je crois qu'il y aura marqué en haut à droite une notification qui dit qu'on a reçu un bonus parce qu'on a bien travaillé. Ah, parce que c'est peut-être à cause de la promotion. Promu au poste second rôle, je pense que c'est ça. Arena a été promue second rôle. De nouvelles auditions sont disponibles. Ok, ça doit être à cause de la promotion, l'argent. Et les coucous, cookies, les coucous. Les coucous, on va les mettre au frigo. Hein. Elle pue de la chaussette. Ok, va chanter sous la douche. Et on a 4300 simflouz pour relooker la chambre. Donc, on va relooker la chambre qui est dégueulasse. Allez, c'est parti pour le relookage de la chambre. Hop. Ok, ça pour l'instant, au cas où je le garde. On sait jamais si j'ai pas trouvé un lit mieux. Est-ce qu'on a assez d'argent pour acheter un bon lit? Un bon petit lit? Les lits les plus chers. Oh mon dieu, j'aimerais bien le lit de la reine à 15 000 simflouz. Mais on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, on va quand même relooker sa chambre avec les moyens qu'on a. Donc budget 4 000 simflouz pour la chambre, ce qui est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Celui de la jungle, il est pas mal. Je sais pas c'est quoi son style à Ariana. Je sais pas quel genre de style elle aime bien. Je sais pas trop. Un lit double. Ouais, un lit double comme ça, si à un moment donné, ça l'empêche pas de, voilà, d'avoir des petits amis en attendant. Les sapins du pauvre tout seul au milieu de la pièce. Je répète, seul. Bon, ça va encore. Ça va. Hey, Young Bâtard, comment ça va? Tu vas aller au dodo. Bonne nuit, Noémie. Un truc qui pue. Lol. on n'est pas sur MSP, Célia, là. C'est ma chaîne Sims. S'il vous plaît, pas de MSP sur ma chaîne Sims. Ok. Je suis en train de regarder ça, peut-être. Celui-là, il me correspond en autre couleur. Ouais, 900 simplouz. En couleur blanc comme chat. Est-ce qu'on peut mettre la lumière? Attendez, je vais mettre la lumière parce que... Hop. Allumer. Voilà, pour vraiment se faire une idée. Et on va changer peut-être la couleur. On va voir un petit peu ce qu'on a. Une chambre dans les tons blancs. Bah, je pense que c'est celui-là qui me plaît le plus. Ouais, comme ça rend bien. Non, reste possible. Seconde, je reviens, ça marche, Lady Sha. Ariana, la witch. Mais pourtant, le lila, il vaut que 900 simflouz. Et je trouve qu'il fait bien. Il rend bien. Il rend plutôt pas mal, je trouve. Après, personnellement, j'aurais tendance à peut-être agrandir la chambre d'un seul. Hop. Ou peut-être plutôt comme ça. Vers l'intérieur, voilà, comme ça. Pour pas déformer la maison et pour pouvoir mettre un bureau ici. Ou une commode au moins. Alors. De toute façon, on va changer la tapisserie et le sol aussi. Bah tiens, on va faire maintenant. D'abord tapisserie sol, comme ça on pourra peut-être mieux se rendre compte de la pièce. C'est vrai qu'avec le sol foncé comme ça. Ça alourdit la pièce quand même, hein, on va pas se mentir. Je serais plus tendance à partir dans des couleurs comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Quoique le lit il est pas si beau que ça quand on met un sol comme ça.
On va enfin voir la tête d'Ariana, mais vu sa danse, je sais pas, ça vaut le coup. Ça marche, Lalo. Ta-ta-ta. De toute façon, plus tard, elle déménagera, hein, mais j'aimerais bien quand même que ce soit beau quand même, non? J'essaie de regarder peut-être la moquette. Non, ça, c'est pas de la moquette, ça. Hein. Voilà, la moquette, elle est là. Ouais, non, je suis pas fan de la moquette non plus. Peut-être plus celle-là. Je sais pas trop. Mets un sol blanc ou en bois. Ouais, on peut mettre un sol blanc ou en bois. Ouais, la moquette, je suis pas. Je préfère encore à la limite mettre du bois. En fait, j'en mets partout. Du parquet. Après, ça passe aussi vu que le rebord du lit est brun de toute manière. Ça. Le parquet où tu gagnes de l'argent, je gagnerais 86 plus parce qu'il coûte moins cher que l'ancien. Ça me paraît ok. Pour la tapisserie. Pour la tapisserie. Est-ce qu'on met ça? Ou plutôt une tapisserie. C'est quoi? Non, ouais, ça fait. Ça fait un petit peu tapisserie chez mamie. Peut-être une tapisserie comme ça pour casser le côté blanc du gris. Lui, c'est pas très. Ouais, le lit il est pas ouf finalement. C'est vrai que là, vu comme ça, en fait, avec le blanc, il est jaune. Et le jaune, bah, ça fait genre, je sais pas, elle a pas lavé ses draps depuis 3 mois. Je sais pas trop. De toute façon, les fenêtres, on pourra les changer plus tard, hein, ça change pas. On mettra un rideau, ils se verront pas de toute manière. Hein, non, ça fait hôpital, ouais, trop blanc. Donc, on va mettre peut-être une tapisserie. On va voir, je vais vous proposer peut-être ça. C'est quoi ça? C'est sympathique quand même. Bon, notre couleur, bien sûr, mais. Attends, on va mettre comme ça. Et on va mettre. Ah, je peux pas mettre les designs directement là, comme ça, ici. Je trouve que ça fait original. On va voir encore ce que je peux vous proposer. Hein. Comme ça fait chambre de princesse. Si tu rajoutes des tableaux, ça peut le faire en vrai. Ouais, avec de la déco sur les murs aussi. J'adore la lampe. Bah, la lampe, elle va dégager. Parce qu'elle est orange. Soit on trouve une autre couleur de la lampe. Sol blanc et lit en bleu. Un parquet de citadine, ça rajoute de la chaleur. Tu as combien d'argent? Bah là pour le moment on a. Il nous reste 3 400 simflouz. C'est pas beau? Vous aimez pas? Après, si on part sur du blanc comme ça, et que on met de la couleur. Putain, je me suis fait arnaquer sur le lit, ils m'ont pas rendu tout mon argent. On a perdu 300 simflouz. C'est pas cool ça! Et. On va mettre un lit. Ta-ta-ta. Celui-là, il y a quoi comme couleur? Celui-là, ça va, je trouve que ça fait bien en fait. En bleu, si on fait une chambre en bleu. Ma lit noire, c'est plus joli. C'est grave beau le rose avec des carrés blancs, s'il te plaît, fais-le pour moi. Bah, du coup, on a mis du blanc à la place. Bof, non, papa, vous êtes... D'accord, okay. Ça fait mamie le lit. Ouais, bon, d'accord, ok. C'est celui-là que c'est qu'on a essayé de mettre, mais que finalement, on n'a pas apprécié. Il y a celui-ci. Non, celui-là, vous allez encore me dire qu'il fait mamie. Ta-ta-ta. Celui-là, c'est un qui est avec heure de gloire. Et au niveau des designs. Parce que
Après, on peut rajouter des coussins décoratifs dessus, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dort. Oui, c'est normal, c'est son ancien lit, parce que j'hésite à le vendre, je sais pas encore si on arrive à trouver un lit pour le remplacer. Bon, après, ce qu'on peut faire. Je vais. Voilà, on peut choisir. Voilà, et mettre un matelas. Et décorer dessus. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est quoi? C'est pas un matelas. Là, je suis en train de chercher le matelas qui va avec ça. Where is the matelas? Bien, il y a aussi celui-ci. Hein. Parce que celui-là, on peut changer. Alors, dites-moi déjà, quelle couleur au niveau de la déco avec le blanc vous préfériez? Dites la couleur que vous préfériez comme déco en général, comme couleur dans la chambre. Parce que moi, j'aime bien quand il y a deux couleurs maximum dans une chambre, en général, voire trois grands maximum. Vers quelle couleur on va se tourner? Pour l'instant, je le mets en blanc, comme ça, enfin blanc beige. Et voilà. Alors, noir, rose, 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 violet, bleu, blanc et noir, 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 noir ou bleu, noir et gris, noir et rose, noir, bleu, rose, bleu, rose, bleu, rose, blanc et noir, bleu, rouge et noir, rose, noir. Alors, le noir, il revient quand même souvent, hein, le noir. Tiens, je vais mettre ça en noir. Et je vais essayer de trouver le matelas qui va avec. Hein. Parce qu'il y a aussi ça qui est sympa. Qu'est-ce que ça donnerait en noir? Pour l'instant, je vais mettre les deux. Parce que là, le machin là, il est en bois. Ouais, non, quoique je préfère quand même celui-ci. Et je vais chercher le lit qui va avec. Où est-ce que tu es, petit matelas? Petit matelas, où est-ce que tu te caches? Ça, c'est quoi ça? Ok, c'est une. C'est un dessus de lit. À 300 simflouz. Qui est en gris. Non, cool, mais il est où le matelas? On va le rajouter, le matelas. Je suis en train de le chercher. Il y a aussi le bleu qui revient pas mal. Le bleu qui revient pas mal aussi. On peut faire une déco noir-bleu, hein. Comme ça change de ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que le rose, je le fais souvent déjà, on va pas se mentir. Alors, ça, hop. Bon. On va le mettre en blanc, vous inquiétez pas. Parce qu'après, on mettra un dessus de lit, je pense. Voilà. Voilà, noir et bleu, vous inquiétez pas. On va remettre aussi des coussins. Pas ceux-là. Peut-être ceux-là en bleu, ouais. Voilà. Comme ça. Est-ce que ça rend bien pour le moment? J'aime bien comme ça. Merci, Ness. Noir et bleu, joli, trop beau, trop beau. Voilà. Et on va peut-être mettre des meubles un peu en noir. Mais du coup, peut-être qu'on va foncer un petit peu les murs, non? Ouais, trop beau, c'est joli comme ça. Vous aimez bien? Oh bah nickel, hein? Ça fait plaisir. Pour les meubles, maintenant. Pour les meubles. Au pire, on part sur les... Parce que la couleur là me plaît bien. Si on mettait ça comme meuble... et des décos en noir, peut-être. Et wow! Je suis d'accord, c'est joli. Ah bah, ça fait plaisir. Ça, c'est la collection Peacemaker Mid-Century. Miroir, décoration, table basse. Voilà, ça c'est sympathique. Au pire, on les met en noir. Parce qu'on avait dit noir.
noir et bleu. Attends, on va mettre le fameux code testing cheats on. Et c'était bb.moveObject. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment de la triche, c'est juste pour pouvoir placer les objets comme on veut, hein. Voilà, donc on avait dit bleu, noir. Voilà. Ça, c'est Bing. Ensuite, bah, du coup, ce que je pensais faire, c'est peut-être, parce qu'on avait dit noir et bleu, on peut mettre un sol un petit peu plus foncé. Voilà. Plus comme ça, peut-être. Et au niveau de la tapisserie, est-ce qu'il y a un bleu, peut-être? Non, celui-là me plaît pas forcément. Voilà, je trouve que ça fait déjà beaucoup mieux comme ça. Coucou Emerald, ça rend bien, je trouve. Bah, c'est original comparé à ce que je fais d'habitude. Ça change, ça change. Ça rend super bien. Ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien. Après, peut-être que... Je suis en train de réfléchir peut-être à déplacer le lit. Parce que du coup, je suis obligée de déplacer tout par un par un. Voilà. Pour qu'il y ait de la place pour passer. Et comme ça, ici, on pourra mettre le bureau. Voilà, et ici, il y a assez de place pour mettre le bureau pour l'ordinateur. Un petit bureau. Alors, pour le bureau, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est quoi ça, laboratory desk? Ah, d'accord, ok. Alors, un bureau pour dans sa chambre pour son ordinateur. Est-ce qu'on met genre un bureau simple? Les tableaux de la chambre. Yes, on va décorer. Il manque un truc, mais je sais pas quoi. C'est pas fini, t'inquiète pas, dessin. C'est pas encore fini. Il nous reste encore quand même 2400 de budget. Donc ça va le faire, vous inquiétez pas. Je suis en train de regarder pour le bureau, pour mettre un joli bureau dans sa chambre. Budget nos limites. Mais bon, non, pas exagéré non plus, hein. Ça, je pense que c'est un... ça irait bien avec avec ça. En noir. Je suis pas trop sûre encore pour ça. Pas encore sûr du bureau. Je ne suis pas encore sûre de moi. On va voir un petit peu ce qu'on a. J'aurais bien aimé quand même quelque chose de moins imposant, on va dire. Ouais, le bureau, vous aimez bien. Un bureau blanc, noir. Attends, on va voir si on a une couleur assortie. C'est ça qui correspondrait le mieux au niveau de la couleur, je pense, hein, quand même. Et merci, Aurélie, bienvenue à toi, merci beaucoup. Le bureau en noir. Ouais, vous voulez que je mette le bureau en noir? Voilà, comme ça. Préféré en noir ou en bleu le bureau? Et merci Leva, la bienvenue, merci beaucoup. Oui, c'est trop beau, en noir. Ouais, en noir. Ok, bon, on va laisser en noir. On va mettre un petit siège. On n'est pas obligé de mettre un siège entre gaming. Oh, regardez le fauteuil gaming de hors de gloire. Quelque chose d'assez joli, on va mettre. Quelque chose de... Voilà, oui. On va même mettre un truc en... Non, pas celle-ci. Je
Je suis en train de réfléchir. Quelle couleur pour le siège? Trop beau la chambre en couleur émeraude comme mon pseudo. Bon, on va dire que ça c'est plus couleur turquoise à la limite que. Puisque émeraude c'est vraiment du vert foncé. Mais turquoise, ouais. Turquoise, on peut dire, ouais. Peut-être ça, s'il y a une couleur sympathique. Ouais, non, c'est un petit peu trop imposant. C'est un petit peu trop imposant. Celui-ci, elle rend bien, j'aime bien quand même. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop, c'est si teint. Le siège bleu. Après, peut-être celui-ci. Non. Si on peut le mettre nulle part, ouais. Ouais, c'est qu'il bug en fait déjà. C'est que déjà à la base il bug. Celui-là non plus. Voilà, et on va prendre. On changera l'ordinateur plus tard parce que c'est un trop gros budget pour le moment de changer l'ordinateur. Moi je propose c'est de mettre un petit tapis bleu. Un petit tapis bleu au sol. Ouais, non, je peux pas rajouter ça, ça va faire de trop. Un petit tapis. Si on en trouve un joli, bien sûr. C'est des coussins, là, c'est pas des tapis, ça. Pire qu'il y a... Ouais, là, il y a du bleu, il y a du noir. Oui, il y aura une rediff. Bonne nuit à toi, Mélissa. La lampe. Oui, il faut aussi qu'on change la lampe, merci. Effectivement, on va devoir changer la lampe. Ah, celui-là, ça peut être bien. Là, celui-là, en plus, je le vois en bleu. Je sais pas où mettre le tapis. Est-ce qu'on le met plutôt là où il y a le bureau, comme ça, ici, ou peut-être plus vers là, comme ça, quand on se lève, on peut s'habiller devant, enfin, sur un tapis pour pas avoir froid aux pieds. Ou est-ce qu'on le met vers l'entrée, comme ça, à peu près? Je sais pas trop. Ouais, non, là, ça me plaît pas trop. Je vais faire soit là, soit là. Moi, si je préférais qu'on me laisse le tapis au niveau du bureau. Au niveau du bureau, ça fait symétrique, j'aime bien. Mais là aussi, ça fait logique. Et de bon goût, merci. En attendant, on va mettre les petits rideaux. Hein. On va mettre des petits rideaux. Ah, ça, c'est pour choisir la hauteur. Moi, j'aime bien quand c'est symétrique. On laisse les deux, je ne sais pas. On va voir. Je vais voir. Est-ce qu'il y a de nouveaux rideaux avec Heure de Gloire ou pas? Je vois pas de nouveaux rideaux, je crois. À côté du lit au bureau, près du lit, à côté du lit. Coucou Belle Rose, quand le prochain Barbie Ken? Je sais pas, faudrait que je le fasse. Mets un double tapis, comme ça on se casse pas la tête. Pire, c'est que t'as raison. Pourquoi je me prends la tête en vrai? On met deux tapis et puis voilà, tout le monde est content. Bah oui. Mais oui. Après, on peut mettre. Oula, ouf, oula, ouh, tu te calmes. Oh, c'est trop grand. Ouais, comme ça. Au niveau de la couleur, est-ce qu'on a le choix? Oui. Oui. En noir, et je trouve que le noir, il est trop, trop noir, trop foncé. Trop dark. Donc, on va plutôt rester sur le bleu. Ah oui. La lampe. Au revoir la lampe. Plus de lumière, c'est fini. Éclairage. Au niveau de l'éclairage, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre pour que ça fasse bien beau? Voilà, c'est bien. C'est bas, je trouve, quand même. Hein. Ça, c'est pour les. Quand le plafond est plus haut, quoi. Je dis, ouais, c'est bien. On adore. Ils sont magnifiques. Bah, c'est les rideaux qui viennent du pack au restaurant, je crois, celui-là. Bah, celui-là, il fait bien. Il est simple, mais il fait bien. Celui-là aussi, il fait bien. Peut-être celui-là. Ouais, non, il est un peu trop gros comparé à la taille de la pièce. Celui-là, il est beau, mais ça illumine pas forcément beaucoup. C'est beau, mais ça illumine pas assez. Ah, peut-être ceux-là. Hop. Attends, non, pas ceux-là, ceux-là, voilà.
Voilà, en couleur noire. Est-ce que c'est ceux qui sont les plus petits? Ouais, c'est ceux-là, pour les petits plafonds. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as les 7K, my god. Oui, bah j'avais fait tout à l'heure sur Instagram une story pour vous remercier pour les 7K. On les a vus aujourd'hui, je crois, tout à l'heure. Une belle lumière dans les tons noirs, ça serait trop beau, je pense. Ouais, je pense aussi le noir pour un petit peu plus de noir. Ça manquait un petit peu de noir. C'est magnifique, merci. Merci beaucoup, trop cool. Ouais, franchement, comme ça, je trouve que c'est bien. Je pense qu'on va mettre comme ça. Du coup, ce qu'on va rajouter, c'est une petite lumière au niveau du bureau. Peut-être une lumière bleue, parce que vu que le bureau, il est noir. Ou pas. Comme ça, celle-ci aussi, elle rend bien. On va voir ce qu'il y a d'autre. Non, ça, j'aime pas trop. Ah, ça, c'est un peu grand. Ça rend bien. Petite lumière. Décoration. Il manque que de la déco, peut-être, maintenant. Ouais, je pense qu'il manque juste de la déco. La commode, on a quoi? Attends, on va aller dans la chambre. Et dans la chambre, lit, c'est bon. Peut-être un miroir, peut-être. Ouais, un petit miroir, ici. Essayer de mettre quand même un petit miroir. Voilà, petit miroir. Enfin, grand miroir, hein, excusez-moi, grand miroir. Dans les tons bleus aussi. Trop bien, y en a de la chance. Ah oui, ah oui. Enfin, les tableaux, oui. Donc, on va finir avec la déco, les tableaux et tout. Mais sinon, voilà, ça, on a tout ce qu'il faut. Peut-être juste une plante pour. Une petite plante. Voilà, au pire on met comme ça, genre une plante comme ça. Mais c'est pas symétrique. Voilà, trois petites plantes et ici on peut rajouter encore des décos. Ouais, non. Les trois plantes, ça suffit, je pense. T'as géré pour la déco. Merci! Parfait, le bleu. J'aime trop la position de bleu, mais bon. Ouais, c'est pour ça que j'avais dit les décos, on va mettre peut-être plus dark. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre deux couleurs maximum comme décoration. Alors, on va mettre des tableaux. Donc là, on a un très beau mur qui n'attend qu'à être décoré. Ah, on a... c'est vrai qu'on a des trucs du genre comme ça, les. Alors, on va mettre comme ça. Je pense que la petite note de musique, elle est intéressante. On va peut-être la mettre là. Parce que elle fait de la musique, donc ça rentre bien dans le thème. Ça pourrait être cool. Mais genre, il faudrait mettre quelque chose à l'intérieur. Regardez, on met le truc des Sims 4. Home sweet home. On peut mettre un écriteau. Hein. Ça, c'est quoi? Non, ça non, ça non. Et ça, il y a quoi encore? Un zèbre? Ouais, non. Non, ça ne va pas. Les autographes dedans. Bah, je vais pas mettre d'autographe dans la chambre. Parce qu'après, les invités vont venir dans la chambre pour garder les autographes. Non, ça le fait pas avec. On va voir si on trouve quelque chose à mettre à l'intérieur pour que ça fasse joli ou pas. Ça, c'est quoi? Ces petites photos? C'est les petites photos? Est-ce quelque chose de rond qu'on puisse mettre dedans? Ah oui, ça, c'est des lettres. Ah, c'est vrai qu'on peut écrire un mot nous-mêmes aussi, hein. Genre... Ariana ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il est trop beau le cercle. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de le réutiliser, mais le cercle comme ça, tout simple, sans rien dedans, ça fait louche. Ça fait louche. Donc faut trouver quelque chose qu'on puisse mettre à l'intérieur pour que ça fasse joli. Et je sais pas s'il y a des peintures rondes.
Bon, là, on arrive à un budget un petit peu trop élevé. Tu vois, genre, si on aurait des tables, des trucs comme ça. Comme ça même, comme ça irait. Mais ça, c'est des trucs de vampires, donc je vais pas mettre des trucs de vampires, ça le fait pas. Mais genre, des tableaux ovales. Voilà, mais ça, c'est pour chambre d'enfant, quoi. Ce serait bien. Ou ce genre de choses, quoi. Faut qu'on trouve un truc qui va bien. Qui est rond ou ovale. Qu'on mette dedans. Après, attendez, parce qu'il y a les décorations. Ah, c'est quoi ça? Regardez, ça aussi, c'est joli. Après, comme ça le fait aussi. Dans le pire des cas, on met ça. Si on trouve pas mieux, on met ça. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que là, on est dans les tableaux, mais aussi les décorations, muraux, toiles et affiches. On a aussi les décorations murales. Hein. Faut pas oublier. Regardez, on va aller dans décoration. Et en fait, on a les tableaux, mais on a également ici les décorations murales. Qui est autre chose. Donc là, on va mettre un petit interrupteur. Ah, faudrait qu'on change la porte, elle est dégueu. Attends, on va mettre l'interrupteur ici. Pour la lumière. Ici. Pour l'ordi. Ici, une prise pour le téléphone. Hein, toi-même, tu sais. Et une petite prise supplémentaire. Ici. Voilà, parfait. Ça, c'est quoi? Conduit mural suspect. Non, on va pas mettre ça. Hein. Ce serait bizarre. Alors, pas de papier cul. On va pas mettre du papier cul dans la chambre. Sinon, il y avait ça aussi qui aurait pu être sympa. Mais ça, c'est un peu... Ouais, c'est un peu moins. Moins bien que celui que j'ai mis. C'est pour poser des trucs. Une étagère, je pense. Merci, Margot. Coucou, DW. Re-Adam, re-Didi. Bonne nuit, Amandine. Et Madame Toilette, on se paye un Big Mac. Et Madame Toilette, on a un menu enfant, lol. Attends, ça, on va le décaler le temps de voir. Pour mettre autre chose. C'est quoi ça? Déco ballon, anti-ballon. Ah non, on va pas mettre des ballons. On va pas mettre des ballons quand même. Ça, par contre, ça aurait été cool. Non. Non. Ah, ça, c'est les petites photos. Oula, oh, non, ça, c'est pas du tout des petites photos, hein. Je dis des conneries. Je dis des bêtises. C'est quoi? Ah, ça, c'est des portes. Enfin, des portes décoratives. Non plus. Ça ne va pas. Peut-être ça, tiens. C'était quoi le... Voilà. C'est quoi le mieux? Qu'est-ce que vous préférez? Tu mets un miroir de... Oh, bonne idée! Bonne idée, Lionel! Mais tu as une superbe idée, voyons! Bah oui, on peut mettre un miroir dedans. Un miroir rond. Voilà, celui-là, genre, il est parfait. Non, celui-là, non, faut pas abuser. Mais celui-là, on l'agrandit. On va tester de l'agrandir. Oh merde! Quand je l'agrandis, ça devient bizarre. Celui-là, je peux pas l'agrandir, il bug sinon. Ou celui-là, si je le rapetissis. Ouais, les miroirs, je peux pas les agrandir ni les rapetissir parce que ça bug sinon. Voilà! Comme c'est. Ouais, c'est beau avec le miroir! Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Franchement. Bon, je regarde, il y a quoi comme miroir? Pour l'instant, il y a celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, non, il le fait pas. On va regarder ce qu'il y a.
Tu vois, il est trop grand, on avait dit. Non plus. Ouais, non, celui-là que j'ai mis de côté, c'est celui-là qui va le mieux. Celui-là, je peux pas le relever. Après, s'il est en autre couleur. Genre en noir. Et que du coup, ça, je... J'adapte avec ça. Voilà, super, on adore. On adore. Et pour finir, bah, des tableaux simples. Genre ça, ce serait bien à côté du bureau. Voilà, à côté du bureau pour qu'elle accroche ses petits papiers. Là, on a dit qu'on était bon quand même, je pense. Avec ça, ça fait déjà une bonne décoration qui prend quand même pas mal de place. On va mettre des petits citrons. Non, je déconne. Calme-toi, Kinzel, calme-toi. Oh, c'est trop chou. On va mettre ça ici, comme ça, elle peut aussi accrocher. Et ça, peut-être que du coup, on va le mettre plus vers le lit. Maintenant, il faut que ce soit droit, sinon ça va me stresser. Voilà. Et peut-être juste là, maintenant, au niveau des décorations, une petite affiche. Qu'est-ce qu'il a, Los Angeles? Il a un problème, Los Angeles, là. Paris. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Coucou, Rosalie. Voilà, petite décoration. On va aller dans déco. Voilà, ici. Des petites choses. Hop. Et on a encore quand même pas mal de Simplouz, hein. Laundry basket. Ah, le linge sale. Est-ce qu'on va le mettre là, genre? Donc ça, c'est le panier de linge sale. Ok, parfait. On va mettre là. Pour l'instant, je vais laisser les murs qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on fait. Coucou Didi. Enfin, re. C'est tellement beau. Bonsoir Paris. Non! Coucou Mackenzie! Pas le miroir au-dessus du meuble qui remplace Paris. Parce qu'en fait, vu que j'ai déjà le gros miroir juste à côté, ça ferait beaucoup de miroirs dans un seul espace réduit en fait. Alors que là, vu que justement là le mur est déjà bien bien vide, je trouve que ça fait mieux. Et là, hop, petite sculpture. Est-ce qu'on met une autre sculpture ou pas? Après, on va aller dans des ordres. Parce que là, ça commence à coûter cher. On va aller dans des ordres. Dernière petite déco, peut-être. Si on trouve. Bon, après, ça va faire beaucoup. Ah, tiens. Un casque. Pour écouter de la musique. Voilà. Pour voilà, pas que ce soit non plus trop propre, hein. Ah, faut que je mette des trucs aussi sur les petits tabourets. Genre un livre, tiens. Genre, elle fait genre, elle a lu avant d'aller dormir. Mettre ça, genre. Hop. Voilà, comme ça, elle s'instruit. Attends, parce qu'il faut que je le mette bien. Ouais, pour que comme ça passe. Mais ça, du coup, je vais le lever un petit peu, Paris. Voilà, parfait. Et merci, Exotis, bienvenue à toi. Ouais. Le seul code que j'utilise, c'est pour les objets, pour déplacer les objets comme je veux, quoi. Voilà, on va mettre deux livres. Peut-être. Et c'est bien tout ça. Voilà, on est bien, quoi. On est bien. Est-ce qu'on met une petite boîte, genre? Petite boîte, non? Pas de place. Voilà, on va mettre une petite boîte ici.
Voilà, pour ranger ses affaires. Et ça, c'est quoi? On peut pas mettre une autre image dedans. Ouais, comme ça, on peut faire genre... Genre, vu de loin, on voit pas trop ce qu'il y a dedans. On voit qu'il y a une petite fille aux cheveux châtains et une fille aux cheveux noirs. Donc, on peut penser que c'est Ariana avec une amie ou Ariana avec plus jeune ou Ariana avec, je sais pas, une sœur. Je sais pas si elle a une sœur, Ariana, si elle a une sœur ou un frère, si elle est enfant unique, je ne sais pas. Mais voilà, comme ça, on peut supposer à croire. Écoutez, moi, je pense qu'on est pas mal. Là, niveau déco, chambre, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais me mettre en mode vie pour vous montrer. Voilà, donc voilà, ça c'est côté lit, voilà, petit côté commode, petit côté bureau. Bien sûr, l'ordi sera des crayons sur le bureau. Ouais, il y en a déjà là, regarde. Voilà, des crayons. Une règle même. Voilà, côté bureau, je trouve qu'on est bien. Faut qu'on change la porte plus tard. On la changera parce qu'elle est vraiment pas belle. Mais sinon, je trouve qu'on est bien là. Hein. Je trouve qu'on est bien. Vive sa nouvelle chambre. Une porte ou à la chambre, on va voir qu'on la change. Elle a un frère qui s'appelle Frankie. D'accord, je ne savais même pas. Oui, la porte et l'ordi. Ce sera les deux dernières choses à changer. Peut-être que la porte, on a déjà le budget pour la changer. Voire même oui. Mais l'ordi, on n'a pas le budget pour changer. Donc l'ordi sera à changer. Future dépense. Pour un ordi un peu près potable, ce serait cool. Et on va trouver une porte un peu plus potable. Ça, on peut déjà le faire. Celle-là est pas ouf, hein. Celle-là, elle est trop grande. Celle-là, je trouve bien. Après, il faudrait que je mette les autres portes comme celle-ci. Ouais, bah, je pense que celle-ci, elle est bien comme porte. Elle est cool. Je vais faire la même déco pour ma vraie chambre, j'aime trop. C'est magnifique, merci Miss. Je me suis acheté un sweat de la boutique. Oh merci beaucoup la petite reine, super gentille. N'hésite pas à m'envoyer une petite photo quand tu recevras le sweat. J'ai le jeu YouTuber Life. Alors moi j'ai pas YouTuber Life, j'ai le eSports Life qui est aussi un jeu créé par les mêmes créateurs que YouTuber Life, mais version eSport avec on est un joueur qui veut percer dans le eSport. Tu vas faire un live sur Dead by Daylight? Je sais pas. Peut-être que si, je sais pas si Biona veut, je crois que d'ailleurs j'ai vu que Biona faisait du. Elle faisait du Pokémon. En tout cas, voilà pour la chambre. Je pense que la chambre, on peut valider, sauf l'ordinateur qui viendra par la suite, je rappelle. Mais je pense qu'on peut valider, voilà. Super. Franchement, elle est belle sa chambre, elle est belle. Je me suis appliquée, on va dire. Je me suis appliquée pour la chambre. Donc je vais déjà sauvegarder parce que j'ai pas envie de perdre tous les efforts qu'on a mis à créer cette chambre. La chambre de mes rêves. Elle est belle, hein. Non, franchement, elle est belle. Elle est belle. On peut s'applaudir. Et merci à vous parce que vous m'avez aidé. C'est vous qui avez décidé les couleurs. Vous m'avez beaucoup aidé pour cette chambre. Du coup, merci à vous. Merci. Merci de m'avoir aidé à créer cette chambre. Elle est encore sur Pokémon. Viens à finir son live pour manger. Ah, bah peut-être que si ce soir elle fait du DBD, peut-être que je relancerai un petit live DBD. Une chambre validée, elle est trop belle. Merci. Bah écoutez, vu que... Oh mon dieu, elle a cassé la douche. Mais tu casses tout! Comment elle fait pour tout casser, H24? Depuis... Enfin, aujourd'hui, depuis tout à l'heure, elle a cassé le lavabo, elle a cassé les toilettes, et maintenant elle casse la douche. Bravo, Ariana, bravo. Ou pas, ou je te félicite pas. Mais elle casse tout. Elle casse vraiment tout. Mais dis que vous qu'on a tellement joué qu'en fait, on n'aura même plus le temps de jouer. Enfin, on a tellement créé la chambre. Mais au moins, je suis contente, c'est une chose de faite. Et on y va étape par étape. Et là au moins... Ah bah attends, faut qu'on... Oh, qu'est-ce qu'il fout la lit? J'ai oublié, je l'ai oublié. Hop, vendu. Voilà, comme ça il nous reste encore 1200 simflouzes, hein. Mine de rien, la chambre nous a pas coûté tant que ça. Après voilà, vu que c'est beaucoup de CC et certains CC n'étaient pas très très chers. On va dire que voilà, ça nous a aidé un petit peu pour les décos. Mais bon, après c'est vrai que dans la vraie vie, hein, en vrai ça coûte pas non plus 300 000 euros pour un tableau ou un truc comme ça. Mais bon, ça, hop, on enlève. Oh non! Le lavabo il a disparu, mince. Ah non! Non, non, je pense pas qu'il a disparu. Il est juste allé dans nos... Ça, on va mettre comme ça. Il a dû aller dans notre inventaire. Ouais, je suis en train de me dire, ouais, il y a un problème là. Voilà.
De toute façon, ce sera changé plus tard, ça aussi. Ok, c'est parfait. Elle répare le lit. T'as un lit dehors. Ouais, bah du coup, je l'ai menti, je l'avais oublié. bon, bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vais couper le live. Je ne sais pas s'il y aura encore un live. Peut-être il y aura un live DBD. Peut-être il y aura un live Pokémon. Peut-être il y aura un live rien du tout à l'heure. Je ne sais pas parce qu'il est déjà tard quand même. On verra bien. Mais sinon, tu sais que maintenant, on peut faire des stories sur YouTube. What, Rita? What? Ouais. Quoi? Quoi? Non, je ne sais pas, tu m'apprends un truc, je ne sais pas. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Attention, Anna, pour ta manuque chambre et par 15. Merci, Inès. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, vous inquiétez pas, je vais mettre la rediff. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao. Et merci encore de m'avoir aidé, merci beaucoup.